السلام عليكم الزول في اللمان. فوالا رانا امام المقر الامم المتحده هنا في جنيف في سويسرا، وهما اللي قالوا لفرنسا باللي ممنوع باه تمنعوا المناقبات يلبسوا النقاب في فرنسا. وجدت ليهم هنايا باه نشكرهم على الشجاعه تاعهم ويعطيهم الصحه باللي كشفوا فرنسا باللي ماش تحترم الحقوق الانسان. فوالا On est au Palais Wilson, au siège du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, qui a condamné la France le 23 octobre pour violation de la liberté religieuse, notamment en obligeant la France à rembourser les amendes des femmes qui portent le niqab. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour les droits de l'homme, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité venir sur place féliciter le Haut Comité des droits de l'homme. Il y a 18 professeurs de droit de plusieurs nationalités, dont un Français d'ailleurs, qu'on vient à remercier, qui ont le courage de sanctionner, de condamner la France pour violation de la liberté religieuse. Alors c'est une très bonne nouvelle, car je suis le seul au monde à défendre la liberté religieuse de ces femmes libres à la fois en Europe, dans 8 pays européens, la France, la Belgique, la Suisse, la Hollande, l'Autriche, l'Allemagne, le Danemark et la Bulgarie. Mais je défends aussi la liberté des femmes de ne pas porter le voile si telle est leur volonté, notamment au Soudan, où je me suis rendu en septembre 2013 pour empêcher qu'on tape à coups de fouet la jeune Amira, et récemment, le 8 mars 2018, où je me suis rendu à Téhéran, en Iran, pour faire libérer 29 femmes qui refusaient de porter le voile. Donc je défends toutes les formes de liberté, à la fois celle de porter le voile dans les sociétés musulmanes, si telle est la volonté de ces femmes. Donc voilà, alhamdoulilah, rakoum tchoufou billi kaina haja, yani kbira ala al qawanin ta hadou dwoul hadou li mabghouch yahtarmou يعني الحرية تاع المرأة في أوروبا. وعندي ثاني رسالة للسي أحمد ويحيى، على بالكم بلي السي أحمد ويحيى منع النساء اللي خدموا في الإدارة باه يلبسوا نقاب، على بالكم بلي ما سقساش المجلس الشعبي الوطني لو كان راه قابل ولا موش قابل يمنع النقاب في الإدارة الجزائرية، على بالكم بلي هذه حاجة غير قانونية وغير دستورية. على هذا الشيء نطلب من المواطنين، يعني المرأة الجزائرية اللي تخدم في الإدارة الجزائرية، لو كان بغيتو تشكو بهذا القرار اللي راه غير قانوني وغير دستوري، بلي راني قبل نعاونكم باه نقدموا الشكوى دونك في المحكمة الإدارية باه نقلعوا هذا القانون اللي ماهوش يعني شرعي. Donc je lance un appel à toutes les femmes qui travaillent dans l'administration algérienne pour leur dire que la décision du Premier ministre M. Ouyahia d'interdire le niqab dans l'administration algérienne est une décision qui n'est pas légale et qui n'est pas constitutionnelle. C'est la raison pour laquelle donc je demande à ces femmes qui souhaitent porter plainte que je les soutiendrai avec des avocats pour faire un recours auprès du tribunal administratif d'Alger pour faire annuler cette décision qui n'est ni légal ni constitutionnel. Voilà, هذه هي الرساله اللي بغيت نفوتها لكم هنايا دونك امام المقر تاع الامم المتحده تاع حقوق الانسان. والحمد لله راكم كاع بخير، والسلام عليكم وتهلاو في روحكم وثبت.